Voilà, donc en fait, on revient aussi à quelque chose que je connecte de plus en plus, c'est l'enfant en fait. Le petit enfant qui est à l'intérieur de moi, qui pendant beaucoup, beaucoup d'années a pleuré, a hurlé, a crié. Je lui interdisais en fait, moi en tant qu'adulte, de s'exprimer, puisque je devais par exemple remplir des objectifs dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, et cet enfant il pleurait parce qu'il n'était pas du tout à sa place. Et depuis quelques semaines, quelques mois en fait, il sort, il s'amuse, il chante, il danse, et il est naturel et authentique. S'il a envie de dire bonjour à un inconnu dans la rue, il va dire bonjour. Il va faire un sourire, voilà, c'est juste s'amuser. S'il y a une flaque, et si je reçois une information, saute dans la flaque, bah je vais sauter dans la flaque en fait, comme un gosse. Même s'il y a des gens autour, c'est pas grave en fait, c'est juste moi, ça va me faire vibrer. Et comme je vais vibrer, en fait, mon taux vibratoire va augmenter, et je vais pouvoir encore attirer à moi l'argent, les personnes, les business, voilà, toutes ces choses-là en fait, grâce à l'enfant que j'ai accueilli. Tout au long de notre croissance, de notre évolution, on doit s'adapter à des normes, à des contextes sociaux, une éducation, la religion, l'école. Et petit à petit, ben en fait, le bébé qui est pur, en fait, ben il devient de moins en moins pur parce qu'on doit s'adapter à la société et on s'oublie. Et voilà, donc... Et le travail qu'on fait sur soi-même, donc qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, bah, c'est d'aller rechercher ce petit enfant qui est pur, qui est toi. Je suis avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. C'est être. Voilà, si quelque chose me plaît pas, je suis en désaccord, il vaut mieux dire non, je suis en désaccord, que plutôt dire oui. Et là, ton petit enfant va crier. Et ton petit enfant va hurler, mais aussi... ton corps va aussi hurler. Donc, par exemple, bah, il va y avoir une réaction, l'eczéma, ou une boule au ventre, ou une allergie, du stress, un cancer, tout, voilà. Et plus tu vas aller à l'encontre de ton petit enfant, bah, plus ton corps va te le dire, attention, 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 jusqu'au moment où, pouf, là, je te mets un gros pépin sur ton chemin de vie, et c'est à toi de faire ton choix.